Bon les gars, je vous prends direct dans le dur, je pense que vous avez deviné où je suis. Et le tonton est à Walibi. Et je vais aller mettre du conda dans la tronche les mecs, direct en début de vidéo, comme ça c'est tout beau. Je suis avec Mumu, elle est juste là, elle m'accompagne. Il y a Monsieur X aussi qui va nous rejoindre. Monsieur X, il était ridé Hyperia, mais Hyperia était pas ouvert. Donc là il prend son avion, il nous rejoint sur les coups de 14-15h. Puis voilà les gars, on va se mettre un petit conda comme d'hab, on va rentabiliser le pass annuel. Alors j'avais peur ce matin, il y avait du monde les loulous. Et au final en fait le panneau eh ben, il est à 5 minutes les gars, donc ça c'est beau. Puis voilà, on va aller se le mettre. Ni vu ni connu, en tout bien, tout honneur. Et puis let's go les loulous. Oh c'est beau. Oh c'est beau tonton. Tonton c'est beau. Enfin bref, j'arrête mes conneries, je vous reprends directement dans le conda les gars. Premier ride de la journée. Au first. Il fait bon, pas trop de monde, non, c'est bien, ouais, en vrai c'est bien. En vrai c'est cool. Je sais pas si j'aurais dû rester en t-shirt par contre là encore. Oh, on est d'accord, il fait trop en haut là, il y a un peu trop en haut. Allez bon ride Mimi. C'était mignon. Bon les gars, après ce petit conda, nous nous baladons, on va aller voir vers Tiki Waka s'il n'y a pas trop de monde les gars, histoire de s'en mettre un petit. C'est vrai que vous ne voyez pas souvent parce qu'à chaque fois le débit il est pourri là-dessus. Et puis voilà, rien de plus à vous dire, on se balade. Il fait beau, il fait chaud, le tonton a failli faire un carton de gosse là. C'était tuning, t'as vu. Pourquoi les gens ils restent devant nous comme ça quand ils, je sais pas, ils veulent pas se bouger. On a failli faire un strike les gars. Il y en a, ils se mettent en plein milieu du passage, ils bougent pas, alors qu'ils savent que t'arrives, c'est con. Enfin bref, c'est un petit air d'Indiana Jones à Disney ça. On est d'accord les gars, avec Tiki juste derrière, ni vu ni connu. C'est beau tonton, c'est beau. On enchaîne avec Tiki Waka et sa file d'attente très parc à bœuf. Sa file d'attente très étendue les gars, parce que le débit de ce truc est éclaté, donc ça monte très vite à des 40, 45, voire une heure et demie des fois, c'est nawak. Et là ça va. Avec petite vue sur le restaurant derrière Conda et tout. C'est vrai que je vous le montre pas souvent celui-là quand je viens. La vue est sympa, ouais. Ça sent pas la friture, rien. Le train en train de passer, c'est tout mignon, tout beau. Nice. Nice. Enfin bref. Ce que je vais faire, les loups, bah, je vais couper là. Et puis moi, je vous reprends bah, directement dans Tiki Waka. Let's go. Allons nous faire Tiki Waka. T'es prêt, le petit volant? On m'appelle le ch'ti volant dans le game. Le mec qui vole plus vite que son ombre. Hein. Bon, là, si tu peux éviter de voler. Ouais, ça serait bien là. On va rentrer. Hein. J'avoue que là, il n'y a pas grand chose à avancer. Il ouais. Y a tous les footers de poser là, enfin les semelles. Sinon, le reste, ouais, ça va pas avancer de ouf. Mais la zone va être sympa, je pense. Oh, 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 oh.
Oh là, il est violent. Ouais. Bon, les gars, c'est sur ce superbe plan séquence que je vous propose de nous envoyer, tout simplement, la petite Dalton qui va bien. Le tonton va s'envoyer en l'air, les loulous. Et comme d'hab, je vous reprends directement dedans et nous, on va passer par l'accès PMR avec la petite carte à Mumu qui va bien. Ça fait plaisir parce qu'il y a un petit quart d'heure, mine de rien, donc ça, c'est cool. En vrai de vrai, puis voilà, les gars, je vous reprends dans les 70 mètres de bonheur, comme il dirait l'autre. Oh, purée. Oh, je voulais au moins la vue sur le jeu. Ah, quoi que non, ça va, on a le NICR de Conda. En vrai de vrai, c'est vrai. On n'a pas l'autoroute. Ciao. Alors, si je regarde mes pieds, ouais, j'ai toujours pas le vertige. Quoi, tu penses avoir le vertige? Ouais, j'ai toujours... Quoi? Tu penses avoir le vertige? Non, j'essaye de me le donner à chaque fois, mais ça marche pas. Allez. À chaque fois. Ouais, je me la fais en mode parachute. Ouais. Ouais. Hey, les gars, toujours mettre du zout dans les frites. Du sel, du zout. En bref, petite frite. Petit chicken... Je vais vous le montrer, tiens, parce que c'est la première fois que j'en prends un. C'est un double chicken burger. C'est bon, ouais. Ou pas hein, c'est bon. Apparemment, c'est bon, les gars. C'est un peu voilà. Ah, on n'est pas sur un petit ketchup ou je sais pas quoi, ça c'est cool. Attendez, les gars, c'est un peu laborieux. Voilà, double chicken burger. Ça a l'air très sympa avec deux trucs de poulet et tout, fromage. La petite boisson. Alors, la sauce, les gars, c'est crapuleux. J'ai payé 1 euro la mayonnaise. 1 euro la mayonnaise, Saras. Et vive la YouTube money, hein, je vais pas vous mentir. Et là, les gars, j'en ai eu pour 16,05€. Ah oui, là. C'est ça, et j'ai le pass et j'ai eu une réduction du pass de moins 1,57€, les gars. Voilà. Donc en gros, 16 balles, ouais, ça fait un peu cher pour ce que c'est, on va pas se mentir. C'est un peu cher quand même pour un burger, les gars, on n'est pas sur du prix américain ou quoi que ce soit, mais un peu plus, ça commence à faire chier pour. C'est le prix, t'as deux burgers au McDo, quoi, tu vois, donc. Attention. Enfin bref, je mange, les gars, et je vous reprends plus tard. Bon, les gars, petit plan séquence. Et avec Mumu, nous nous dirigeons vers les distilleurs de boissons. Ouais, c'est des trucs à distiller de la gnole, ça. Ouais. Ah non, c'est un moteur, je suis con. Regarde, c'est un vilebrequin avec les cylindres et tout. C'est pas pour de la gnole. Non, je suis pas alcoolique, mais tout de suite, là, les grands mots, les grands remèdes. Bah, excuse-moi, mais ça ressemble à de la gnole quand même, tout ça, là. Moi, fut une époque, j'aurais été américain, là, j'aurais distillé de la bonne gnole, là, du bon whisky, du moonshine là-dedans. Enfin bref, les gars, après cette intro ultra tuning, on va aller se mettre un petit coup de Silverstone. On va se régaler, on va se mettre un petit coup. J'ai dit aujourd'hui, je vous montre des trucs que je vous montre pas d'habitude, les gars. On va pas que se terminer au coaster, on va se terminer au Silverstone aussi. Ça, c'est important, ça. Enfin bref, ce truc, c'est pas pour distiller de la gnole, les gars. Ça représente un 600 lignes avec le vilebrequin, les pistons, les bielles, machin, etc. Je vous le dis, et le tonton n'est pas alcoolique, c'est très important. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Today the weather looks good. We will take off in few minutes. Please fasten your seatbelt. Let's go. Capitaine Mumu will décolle de flight. Ça tourne, chef. Envoie-moi en l'air, Mumu, oui. Oh, c'est beau comme un camion. Ouais. Et regardez, les gars, on va faire une Snoop Dogg. Hold on. Ah non, ça marche pas, la fumée. Non, y'a plus de fumée, m'en fous, je mets le son. Hold on. Play. Snoop Dogg. Ouais, Snoop Dogg. Ouais. Ouais, on va voir en 3D, on va monter au 7ème ciel avec ça. Attends, là ça veut dire que si c'est vert, les gars, ça veut dire que c'est rapide, là, les gars. Là on fait une Snoop Dogg. Ah non, on fait pas une Snoop Dogg. Merde. Ah, ça c'est ta jauge pour aller en hauteur. Ouais. Ok. Wouhou. Sensation. Attention à la Snoop Dogg. Allez. Ah, la Snoop Dogg. Ouais. Non, toujours pas. Parce que là t'as plus de jus, ça veut dire. Ouais, tu peux plus monter normalement. Ouais, c'est ça. Ah, là tu peux. Ouais, mais c'est la fin. Snoop Dogg. Snoop Dogg. Non. Oui. Snoop Dogg, ouais. La fumée, tonton. On va voir un 3D dans Conda. On va planer dans Conda. Bon, les gars, après cette séquence ultra tuning en featuring avec Snoop Dogg, j'ai envie de faire une danse des Crips. Tu sais, vous connaissez ça? Hold on, play. Tu connais pas la danse des Crips, Mumu? Non. C'est la danse de Snoop Dogg qui était dans un gang qui s'appelait les Crips. Ah, tu sais, les gars en bleu. Et t'as les Bloods, les gars en rouge. Et les Crips, ils ont une danse, ça s'appelle le Crips Walk.
Et il bouge comme ça et tout. Ah, je suis trop américain, moi, en fait. Je suis trop américain, les gars. Enfin bref, après cette petite séquence en featuring avec Snoop Dogg, les gars, on a pris la fumée, mon pote. On va planer à 100 000 dans les coasters, ça c'est beau. Je vous propose cette vidéo commence à partir en couille de façon tout à fait honnête. Mais c'est beau, c'est beau, c'est beau, on apprécie beaucoup. Ce qu'on va faire, on va se mettre un petit coaster dans la tronche, les gars, ça sent le Calamity Mine. C'est parti. Chouchou. Le dos de la banquette et ça va passer tout seul. Ouais. Il va faire tout noir. Oh, la cascade est morte. Oh, le jerk infâme. Oh, le jerk infâme. Allez, deuxième tour. Allez, deuxième tour, il va être incroyable. Allez, les gros bien. Petit enchaînement avec ce plan séquence pour nous remettre de nos émotions. On va aller se mettre un truc qui pousse, un truc qui arrache. On va se mettre un fun pilot tout simplement parce qu'il est à 5 minutes d'attente, les gars. Petit kiddie coaster, vous connaissez. File d'attente très parc à boeuf, file d'attente très galée, plage du Schnorr, mer du Nord, tu connais. On a tous connu ces plages là, on se faisait mal aux pieds pour aller se baigner. Et là, vous allez voir dans le lift, le tonton va taper le money shot. Oh, tonton, 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 fais-nous un off-ride. Eh bah tenez les gars, c'est le cadeau de la maison. Faut pas que je fasse des trucs comme ça, je me fais strike quand je fais des Ça pousse. Comme dirait Étienne le Bolideur, ça ne vous laisse pas indifférent. Waouh. Oh, c'est beau tonton. Enfin bref, je vous reprends directement dedans les loulous. On m'appelle le ch'ti volant dans le game, Mumu. C'est parti, hein. Je suis en train de piloter mon avion. C'est pas mon avion. Je sais pas, mais il n'y a pas de moteur en tout cas. Vu comment ça sonne ? Ah non, il n'y a pas de moteur là. Ça sonne creux. Ça sonne creux là. Là, on est dans la merde là. Là, on est dans la merde. Allez, let's go. Oh les chiens ! Oh les chiens ! Ça fait caisse de résonance à l'avant, c'est marrant. Here we go. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Il y en a encore, comme il disait Stromae. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ce cadrage va être hasardeux, mais c'est beau. Ouais. Oh la puissance. Oh la puissance. Bon les gars,
c'est le moment où je vous reprends dans la vidéo et je suis pas content parce que... Hop, cadrage hasardeux, toi-même tu sais, un loop, deux flèches, un cobra roll. Ouais, vous avez deviné, on est un cobra. En fait, j'ai été faible. Mumu, elle m'a dit, Max, il y a que 5 minutes, j'ai dit, allez, vas-y. Vas-y, pour une fois, on se sacrifie, on se met bien. Donc, je vous reprends directement dedans, les gars. Aujourd'hui, vidéo relax. Hein. Pas d'off-ride, de rien. De toute façon, vous connaissez le parc par cœur. C'est vraiment du good mood. Et je vous amène avec moi à Walibi, tout simplement, kiffer avec moi ma petite journée, les gars, parce que la vie est belle et il faut profiter de la vie. Et ça, c'est le plus important. Enfin, bref, tonton philosophe, les gars, je vous reprends directement dans Cobra. Machine de ses morts. L'autre, il m'a serré comme un... Il a cru que j'allais m'envoler, je te jure. Je profite de cet instant de calme avant la merde. Moi, j'ai pas trop serré, donc ça va. Bah, rien qu'à le regarder, j'ai envie de vomir. Je te jure. Il y a du monde derrière. Ouais. Je vais arroser les gens dans le Cobra Roll. Ah, je te jure. Par contre, on est belle vue, tu vois. Ouais, la vue est sympa. Le coaster l'est beaucoup moins, mais. Ouais. Qu'est-ce que c'est pour bruit, ça? Ouais. Oh, oh sa merde! Plus la merde! Plus la merde! Plus la merde! Pue la merde. Ah, à l'entame du Cobra Roll, là, la première entame, laisse tomber. Hein. Oh, je vais remettre la tête bien devant. Allez, YOLO. Allez, YOLO. Ouais. Et l'entame. Ouais. Ouais. Wow. Oh, l'entame. Putain. À l'entame de Cobra Roll, c'est la pire à chaque fois. Putain. Wow. Machine à baffe. Faut des trinceaux kid avec des lap-bars en vrai. Ah ouais. Bon les gars, je sais ce que vous vous dites. Ça va faire mal. Je me le dis aussi, Monsieur X vient de nous rejoindre les gars. Il a atterri il y a incessamment sous peu depuis South Park parce qu'il était parti tâter Hyperia. Malheureusement Hyperia est toujours fermé. Donc le loulou est arrivé et puis il m'a dit bah Max, on se mettrait bien un vampire, il a 5 minutes. Je vous le mets dans le mille. Il est bel et bien à 5 minutes. Ce qui veut dire que bah on va souffrir les gars. Rien de plus à dire. Regardez ma tête. C'est parti pour vampire. J'ai envie de chialer bordel. Oh j'ai envie de chialer. Tiens, remets-moi un cran. Voilà. Purée, quel bordel. Bon les gars là, le Peter Clerks là qui a designé Vampire là, j'en sors, je le hais, je pense que c'est la personne que je hais le plus dans le game. Vous savez, j'ai pas d'ennemis moi dans le game les gars, je suis pas dans les trucs bizarres et tout, mais je crois qu'il y a un gars que je déteste particulièrement, et c'est Peter Clerks les gars. Pour ceux qui n'ont pas la ref, Peter Clerks, c'est un designer de roller coaster qui a beaucoup travaillé pour Vekoma, et qui a designé principalement que des boosts chez Vekoma. Les SLC, c'est lui, Goodurix, c'est lui aussi les gars. Tous les merdouilles de chez Vekoma, c'est lui. Donc Peter Clerks, si tu regardes la vidéo, je te propose un combat MMA dans la cage. Où tu veux, quand tu veux, je te défonce mec. Enfin bref, rien de plus à dire. Je crois qu'il est mort en plus, ça se fait pas. Je pense que potentiellement il est mort. Reste. Tu couperas au montage. Rest in peace. Non, ça restera au montage. Ça restera au montage jusqu'au bout. Peter Clerks,
D'où tu es là, je te mets une PLS sur un ring quand tu veux, où tu veux. Enfin bref, peut-être pas dans ce monde, mais dans un autre monde. Je coupe, c'était beaucoup trop tuning, les gars. Vampire de la merde, vous connaissez. Puis je sais pas ce qu'on va se mettre là, on va peut-être se remettre un petit pulsar ou un autre coaster, on verra bien. En tout cas, on continue notre petite journée très tuning. Je peux vous montrer, les gars, on est devant les rafios là. Regardez, c'est les petits tacos là qui sont en train de passer et tout. C'est tout beau, tout mignon. Bon, il y a de la musique droit d'auteur, c'est assez chiant là de faire des prises de vue sans être emmerdé. Le vent commence à monter, mais il fait toujours aussi beau en vrai de vrai. Ah ouais, on est dans le petit coin, la petite esplanade. En fait, on attend Monsieur X qui est parti aux chiottes, ni vu ni connu quoi. Et puis voilà. Ouais, oh, c'est parti, bébé. Ouais, allez. Petit coup de flotte. Et bah let's go. Ouais, c'est parti. Bon les gars, petite conclue du tonton. Petite conclue dans la verdure, petite conclue dans la nature, petite conclue à la Snoop Dogg. Et ça c'est très important parce que oui, Snoop Dogg aime la verdure et Snoop Dogg aime la fumée de Silverstone. C'est très important les gars, enfin bref. Conclue très 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 bizarre, je suis dans les plantes, les loulous. Et tout ça pour vous dire que j'ai passé une belle journée, je me suis éclaté. On a ridé du coaster. Très clairement, aucun off-ride, les gars, comptez pas là-dessus. Vraiment, journée relax. Je suis venu rentabiliser mon pass annuel. Pass annuel que j'ai acheté parce que j'avais kiffé le winter, les loulous. Et voilà, rien de plus à dire. Je me suis éclaté, il faisait super beau. On a ridé du coaster. On a ridé du water coaster, les loulous. On a pris un peu de flotte. On a chain ride la Dalton. Ça, c'était beau aussi. C'était très, très, très tuning. On s'est envoyé en l'air comme Snoop Dogg dans le Silverstone, là. Putain, c'était beau, la fumée, les gars. Ah, la fumée, c'était quelque chose. On voyait Condé en 3D après. Ça, c'était cool. C'était très cool. Enfin, bref. Rien de plus à dire, les loulous. Le tonton, il vit sa meilleure vie. En plus, il fait super beau et tout. Au soir, je vais même prendre un gros cagnard à mandrin 12 avec de la bonne chimée, là, comme il dirait l'autre. Apéro, tu connais. Et puis, enfin, bref. Rien de plus à dire, les gars. Moi, je vous dis tout simplement. À plus dans le bus. Je sais pas où, je sais pas quand. Mais une chose est sûre, ce sera dans un foutu parc d'attractions. Allez, ciao.